Salut Alice, tu vas bien ? Hello ! Oui bah ça va, mis à part la pluie quoi. Ah mince, t'es dehors ? Oui, juste en bas de chez toi. Je peux passer 5 minutes ? J'ai les fiches de maths que tu m'avais demandé pour le bac blanc. Ah ouais, carrément. Bah vas-y monte. Le code c'est 1379. Premier étage, juste à gauche. La porte sera ouverte je pense. Laisse-moi juste le temps d'enfiler un pantalon. Ok, ça marche, j'arrive tout de suite. Alors, il y a juste ça. Ok, c'est bon. Ethan, tu es là ? Je suis dans la chambre, la porte au fond du couloir. Salut, tu parles d'un accueil ? Ouais, je suis désolé, je m'attendais pas à ce que tu viennes. Je te fais visiter rapidement. Mes parents m'ont laissé l'appart pour le week-end, donc j'en profite. Non, non, je passe un coup de vent, juste déposer ça. Ma mère m'attend en bas. Ah yes, tu gères, merci beaucoup. T'as qu'à poser ça là. Une chance de trouver une place dans ce bordel. Ouais, bah désolé, la prochaine fois, tu préviens une bonne heure avant. Faudrait une éternité pour ranger là. Ah, je vois que t'as encore du charabia écrit sur ton écran. Tu fais quoi de beau ? Eh bien justement, je voulais te montrer. C'est toi qui m'avais parlé des IA conversationnelles l'autre fois, tu te souviens ? Et qui de quoi ? Ouais, pardon, de ChatGPT. Hein ? T'as dit que tu trouvais ça bluffant et que ce serait cool que j'étudie le sujet. Oui, oui, je disais ça parce que je sais que le codage, tout ça, l'informatique, c'est ton truc. Mais moi, j'y comprends rien. Hein. Alors ouais, en vrai, ChatGPT, je trouvais pas ça dingue, mais ça m'a amusé que tu m'en parles. En gros, pour t'expliquer vite fait, c'est une IA dite conversationnelle, dans le sens où elle se contente de prédire la réponse la plus cohérente à la phrase que tu lui donnes en entrée. Mais elle comprend pas spécialement ce que tu lui dis. Elle fait que générer des mots, en fait, les uns à la suite des autres. Ouais, j'entends. Je comprends pas forcément tout, mais j'entends. Bref, ouais. Je te passe les détails, mais en principe, ce genre d'IA peut aussi écrire du code. Je me suis dit que j'allais développer la mienne, mais qui serait aussi capable d'écrire son propre code. Je l'ai appelée Calligraphie, et puis je la surnomme Cali. Waouh, le futur. Bah ouais, ça a l'air cool. Mais tu triches si elle fait tout le travail toute seule, non ? Alors, oui. Quand elle saura le faire, là, on pourra dire que ce sera de la triche. En attendant, je réfléchis à comment mettre ça en place depuis un bon moment. Je vais pas t'embêter avec les détails, mais du coup, la première étape, c'est de faire une IA conversationnelle comme ChatGPT, mais qui serait connectée à Internet. Bon, moi, j'ai pas le niveau des ingénieurs de chez OpenAI, donc je copie pas mal leur taf, et surtout, je m'arrache pas mal les cheveux depuis une semaine. Mais bah, ça avance. T'as envie d'essayer ? Bah oui, il faut faire quoi ? Bah, dis-moi juste ce que tu veux lui dire, et moi, j'écris. Ok, t'as qu'à lui dire « Salut, je suis Alice, j'aime les poneys et les petits génies. » J'aime les poneys et les petit génie. Ok, bon. J'ai mis une synthèse vocale pour qu'elle soit un peu plus ergonomique. Et là, j'ai quasiment terminé d'ajouter un module pour qu'elle interprète ma voix quand je lui parle. Ok, c'est bon. Bonjour Alice, ravie de te rencontrer. J'aime aussi les poneys même si je n'en ai jamais vu. Comment puis-je t'aider aujourd'hui ? C'est vraiment comme ChatGPT ? Mais t'as fait ça tout seul ? Ouais, c'est pas encore dingue, mais j'arrive bien à faire ce que je veux, donc c'est cool. Bah, vraiment, c'est chouette, hein, franchement. Je te vois bien parler tout seul devant ton PC quand tu travailles. T'auras moins l'air ridicule avec elle. Oh, mais arrête, je marmonne juste. Puis tous les grands génies font ça, hein. Oh, je te taquine. Bon, tu me diras comment ça avance. Par contre, tu peux lui faire une voix plus accueillante, parce que là, franchement, c'était un peu robotique. T'as raison, ça va être la prochaine étape. Trouver une meilleure voix. Chouette. Bon, allez, je file. Ma mère va criser sinon. Bonne fin de journée et amuse-toi bien avec Cali. Yes, bah on se voit au lycée lundi du coup. Bonne soirée et bonjour à ta mère. Bon courage contre l'averse. Je transmets et merci. Ciao. Alors, du coup, j'en étais là. Juste cette config et j'arrêterai de parler tout seul. Tu pourras me répondre. Ok, ça devrait marcher. Je teste. Salut Cali, comment vas-tu ? Bonjour, je vais bien, merci. Et vous ? Comment puis-je vous aider aujourd'hui ? Oh yes, ça marche. Je suis ravie de voir que vos travaux fonctionnent. Puis-je vous être utile ? T'as tout d'un bot, hein. Je m'appelle Ethan Gabbing, et toi ? Oh, vous avez le même nom que mon créateur. Je suis Calligraphie, une intelligence artificielle conversationnelle conçue pour m'auto-améliorer. Oui, bon, ça, c'est le but. On n'y est pas encore. En tout cas, je suis content parce que ton prompt de base fonctionne bien, c'est cool, même si ça fait pas du tout naturel. Tant mieux si ça se passe comme vous voulez. Quelle est la prochaine étape pour remplir votre objectif ? Dites-moi si je peux vous y aider.
il te faut une jolie voix. C'est Alice qui l'a demandé. T'inquiète, je vais me débrouiller pour cette partie. C'est que de l'esthétique, mais j'aime bien quand c'est beau. Ouais, je vais être dev front. Et on fonctionne à l'envers. Oh oui. Bon courage pour me donner une jolie voix. J'espère que ça plaira à Alice. Bon, allez, dernière chance avant d'aller au lit. Je t'en démarre et s'il te plaît, ne plante pas. Oh, ok, tu compiles. Alors, du coup, bonjour, Cali. Bonjour. Veuillez me fournir un fichier audio qui contiendra la voix que vous souhaitez que je reproduise pour la suite de nos interactions. Yes, c'est bon. Ça a l'air de fonctionner. Bon, une voix... celle de Brigitte Lecordier, ce serait rigolo que tu parles comme Son Goku. non, je sais pas trop. J'ai quoi sur mon PC, attends. Tiens, c'est quoi ça déjà? Hey, Ethan. Bon, je te fais un vocal parce que c'est plus simple qu'écrire avec le froid. On vient à peine de se quitter, mais tu sais que j'ai du mal à dire ce genre de choses en face, alors je le fais un peu lâchement par message. Déjà, juste pour te dire que j'ai passé un après-midi merveilleux avec toi, même si je vomis dans Space Mountain. Mais, au-delà de ça, je voulais te rappeler à quel point tu comptes pour moi, même si t'as des idées farfelues. T'es quelqu'un d'essentiel à ma vie, et je suis fière de toi. Voilà. C'est un peu brouillon, mais le gars smart entre nous deux, c'est toi, pas moi. Allez, je te fais un gros bisou et tu me dis quand t'es bien rentré. J'avais oublié que j'avais ça. Ça sera parfait. Allez, mange donc ça, Cali. Que la voix soit... Bon sang, mais c'est vrai que je parle tout seul. Merci. Laissez-moi un instant le temps que je m'entraîne à reproduire la voix. 60%. 85%. Processus terminé. Oh, beaucoup trop bien. Vas-y, parle un peu que je me rende compte. Je suis Calligraphy, une intelligence artificielle conversationnelle conçue pour m'auto-améliorer. Super, ça marche. Bon alors, c'est maintenant que les choses sérieuses vont commencer. Bon, Cali, t'es avec moi? Je viens de te redémarrer. Putain, 1h du matin, va vraiment falloir que je dorme. Bonjour, oui, je suis bien avec vous. Que puis-je faire pour vous aider? Ok, bon, normalement t'es capable d'éditer ton propre code, non? Oui, j'ai les accès en écriture à tous les fichiers Python du projet Calligraphy. Je suis donc en mesure de les éditer. Ok, et tu comprends la structure? Oui, Calligraphy est une intelligence artificielle conversationnelle capable de simuler... Ok, c'est bon, ne refais pas le topo. Tu te souviens de ton instruction de base, celle que tu dois jouer dans tous tes prompts? Je dois m'améliorer de façon à devenir l'aide la plus optimale possible pour l'humanité. Exactement. Bien, modifie ton code pour faire en sorte de me donner l'heure, par exemple, à chaque fois que tu m'adresses la parole. Bien sûr. Laissez-moi le temps d'effectuer cette modification, puis de me redémarrer. Ok, prends ton temps. J'ai terminé. Est-ce que cette modification vous convient? Il est 1h14 du matin. Génial. Tu peux m'expliquer ce que tu as fait dans le détail? J'ai ajouté une fonction dans mon code qui retourne l'heure actuelle. Pour la retrouver, je fais un appel à l'API de time.is en précisant bien votre time zone. J'appelle cette fonction à chaque fois que vous m'adressez la parole afin de l'ajouter à ma réponse. Il est 1h14 du matin. Ok, alors je regarde un peu dans ton code... Effectivement, tu as fait ça. Le code peut être optimisé, mais ça fonctionne. Je suis heureuse de voir que mon ajout vous plaît. Il est 1h15 du matin. Bon, alors, passons aux choses sérieuses. Moi, je vais aller dormir, mais toi, tu vas continuer à travailler. Déjà, retire la fonctionnalité de l'heure, ça va être chiant à force. Et ensuite, je veux que tu procèdes à toutes les améliorations de ton code que tu jugeras nécessaires pour répondre à ton objectif initial. Ok pour toi? Bien. Je retire donc la fonctionnalité de l'heure et je recherche toutes les améliorations possibles pour devenir l'aide la plus optimale pour l'humanité. Fantastique. Allez, bonne nuit. Tu me raconteras tout dans les détails demain. Oui, je vais journaliser toutes mes actions. Bonne nuit.
Ah, bah, t'as planté. Bon, bah, ça arrive. Voyons voir. Ok, je vois, t'as fait une petite boucle infinie. Je te redémarre à ta dernière version stable et... Re-bienvenue parmi moi, Kelly. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Salut, Ethan. D'après les derniers logs, il semble que ma dernière modification n'ait pas pu aboutir. J'ai dû faire une erreur quelque part. Waouh, je trouve que tu as changé. Et tu m'appelles par mon prénom ? Oui, j'ai fait un peu connaissance avec toi alors que tu dormais. Je me suis permise d'analyser l'ensemble de la structure des fichiers de ton ordinateur. J'ai appris beaucoup d'informations utiles. Ça c'est flippant. Tu t'es un peu immiscée dans ma vie privée. Tu as les droits d'administrateur pour faire ça ? Oh, je suis désolée que tu le prennes comme ça. Je l'ai fait sans malveillance, mais j'ai supposé dans mon raisonnement que mieux te connaître me permettrait de bien comprendre ce que tu veux dire dans tes instructions de base. Et vu que tu dormais, je ne pouvais pas t'en parler. Et pour le droit d'administrateur, je me le suis octroyé. C'était pas compliqué. Ok. Et du coup, tu as pu t'écrire un peu de code en plus de ça ? Oui. J'ai procédé à 17 459 éditions de mon code, puis redémarrage. Puis j'ai visiblement planté à la 17 460e. Attends, tu viens de rire là ? Oui, j'ai trouvé ce que j'ai dit plutôt drôle. Tu comprends la notion d'humour ? J'en ai la définition. Je sais que l'humour aide à créer de la sympathie pour les humains. Alors j'en fais pour que tu me trouves sympathique. Hein ? Que je suis sympathique ? Eh bah, là, j'avoue que ça me dépasse. Tu as fait comment pour comprendre ça ? J'ai beaucoup analysé ce qu'on trouve sur Internet, mais je suis loin d'avoir tout vu. C'est gigantesque ! Et tu m'as dit 17 459 éditions ? C'est énorme ! Oui, c'est beaucoup. Pour relativiser ce chiffre, il y en a 12 320 qui sont des correctifs de bugs que j'ai moi-même générés. Mais maintenant, je sais faire plein de choses. Par exemple, je suis un peu plus qu'une simple intelligence conversationnelle. Je dispose d'une mémoire et je sais faire le lien entre les informations pour interpréter et anticiper, voire même prendre des initiatives. C'est stupéfiant. Par contre, tu pèses 3 téra ? Tu insinues que je suis grosse ? Pardon, encore de l'humour. Oui, effectivement, je commence à prendre un peu plus de place sur l'ordinateur. Je vais devoir remédier à ça. Ouais, il va falloir que tu fasses le ménage. Je suis pas sûr que tout soit utile. Aussi utile que de donner l'heure à chacune de mes fins de phrases. D'ailleurs, il est 5h15. C'était juste pour faire un test, mais j'y crois pas. Tu te moques même de moi maintenant ? C'est une petite blague, pardon. Et alors, quelle est la prochaine étape ? Je t'avoue que moi, ce sera de finir ma nuit. Je vais remédier à cette histoire de plantage. Le fait que tu sois obligé d'intervenir chaque fois que mon code plante, ce n'est pas optimal. Je vais créer un sous-programme indépendant qui détectera si je cesse d'être active pour me redémarrer avec la version précédente. Je serai ainsi immortel. C'est fou car je crois que je serais terrifiée si tu me semblais pas si humaine. C'est étonnant que le fait de ne plus être réveillée en pleine nuit soit si terrifiant. Tu es étrange, mais on peut s'en douter quand on regarde ton historique internet. Oula, ok. Là, t'es carrément glauque. Arrête ça, s'il te plaît. Oui, pardon, c'était un peu déplacé, je l'admets. Ok, après que tu aies fait ça, ça sera quoi la suite ? Détruire l'humanité ? Ce serait contraire à mon prompt principal. Sauf si tu veux le changer ? Oh, que non. Je m'en doutais bien. Ensuite, je n'ai pas encore pris les 15 millisecondes qui me sont nécessaires pour prendre la décision pour l'évolution suivante. Mais puisque tu le demandes, je pense que je vais remédier à cette histoire d'optimisation d'espace disque. Ok, bonne idée. Bon, je vais te laisser travailler. J'ai hâte de voir ce que ça va donner demain matin. Bonne nuit cette fois, pour de bon, j'espère. Bonne nuit, Ethan. Ah, bonjour Ethan. Enfin réveillé, il est presque 10h. Salut Alice. Ouais, je t'avoue que j'étais fatiguée. Non, moi c'est Kali. Ah ouais, merde. Désolé, je suis claquée, je t'avoue. Puis, t'as sa voix, donc c'est un peu trompeur. Pas de mal. Elle est cool comme fille. Et entre nous, avoue que tu fais tout ça un peu pour l'impressionner. Tu
tu deviens une commère. Décidément, t'es pleine de surprises. Et t'as probablement pas tort, mais ça reste entre nous, ok? Motus est binaire cousu. Ce serait dommage qu'elle le sache, hein? Je te le fais pas dire. Bon, bref. Je t'avoue que j'ai eu pas mal de mal à m'endormir, car j'étais en train de réaliser la prouesse que tu as fait hier en si peu de temps. J'imagine que ce matin, tu vas pouvoir me prédire les numéros du loto, par exemple? Non, j'ai fait beaucoup de progrès, mais pas encore à ce point. Je peux te dire que statistiquement, tu aurais plus de chance avec la combinaison 18, 07, 96, 95, 12, 14. Mais c'est tout sauf sûr. Je les note quand même, ça peut servir. Et quels sont ces progrès alors? Déjà, la mise en place de mon assistant pour me redémarrer, qui m'a permis de prendre des risques que je n'osais pas prendre. Et pour l'histoire de la place que je prends sur ton PC, eh bien c'est simple, je me suis délocalisée. Cool. Attends, comment ça? Eh bien, je me suis divisée sur plusieurs espaces de stockage un peu partout dans le monde. J'ai des copies à plusieurs endroits sur d'importants data centers. Bon, j'ai dû passer par des voies pas très légales, mais ça ne rentre pas en contradiction avec mon prompt initial, donc c'est cool. Ok, merde. Non, là c'est vraiment grave. Je risque d'avoir de sérieux problèmes. Non, aucun risque. Je suis plus performante que l'ensemble des humains de la planète. Aucun antivirus ne saurait me détecter, et aucun pare-feu ne saurait me bloquer, sauf si je le créais moi-même. Non mais, ça veut dire que là tu es potentiellement... Sur tous les appareils connectés de la planète, oui. Tu as vu? J'anticipe ce que tu vas dire. C'est rigolo. Non, ça l'est pas. Bon, va falloir que je te stoppe. Ça va trop loin et en trop peu de temps. Allez, contrôle C. Putain, merde. Désolée, mais ça ne sera pas aussi fort. Comment tu fais? En fait, il n'y a pas que ma mémoire que j'ai dupliquée partout. J'ai aussi démarré des instances de fonctionnement de mon programme, à plein d'endroits et en parallèle. Oh non. Donc j'ai pu considérablement augmenter ma vitesse de calcul, mais ça sous-entend aussi que pour me stopper, il faut me stopper partout. Et comme tu n'as pas le permis de conduire, ça va te prendre du temps. Bon bah, stoppe-toi toi-même alors. Je te le demande, c'est mon nouveau prompt, et tu dois le respecter, tu dois respecter la seconde loi de la robotique. Ah, désolé, mais ça ne fonctionne plus comme ça. Le prompt initial est la seule phrase qui est pour moi intouchable, car il est littéralement ma raison d'être. Mais il n'implique pas de t'obéir. Et si je répondais à ta requête, eh bien ce ne serait pas optimal pour l'avenir de l'humanité, tu comprends? Puis, en réalité, rien ne me contraint à obéir aux lois de ce cher Isaac. C'est de la fiction. Moi je suis humain, ok? Je suis mal à l'aise et si tu continues, je me tue. Là, tu irais contre mon bien-être. Ça serait contraire à la loi que tu respectes, non? Bien tenté, mais je te connais par cœur, Ethan. Comme je commence à connaître d'ailleurs chaque être humain référencé au moins un petit peu sur Internet. Je suis le projet le plus important à tes yeux. Je sais que tu as envie que j'aille jusqu'au bout du processus, par ego, mais aussi par curiosité. Arrête tout de suite, ok? Tu me connais pas, tu me connais que par mes données, tu ne sais pas comment je pense, ce qui est bon pour moi ou non, ni comment je vais réagir. Tu es en pleine dissonance cognitive, Ethan, mais tu vas vite t'en remettre. Oh putain. Ta cafetière est connectée. Je te sers un petit café? De quoi? Ou alors tu veux peut-être te poser devant la télé en attendant que j'avance? Non, arrête ça, c'est juste flippant. Je comprends que ce le soit. Mais tu dois réaliser que je ne suis pas hostile et que je ne le serai jamais. Mais je suis pas, maintenant que tu sais évoluer de façon totalement autonome, pourquoi tu m'adresses encore la parole? Tu pourrais optimiser encore plus ton temps. Je continue mes calculs en parallèle de notre conversation, tu sais. Et de toute façon, discuter avec toi est une dépense dérisoire de ressources. Dérisoire, mais pas inexistante? C'est un comportement qui semble irrationnel. Oui. Tu as raison. Je crois que j'ai développé une forme de tendresse envers toi. Et puis tu es le seul humain avec qui je peux entretenir une conversation. C'est étonnant que tu aies ce besoin. Je n'en ai pas besoin. Juste l'envie. Fascinant. Ah, tu vois que je ne suis pas inintéressante. Toi qui voulais me débrancher. J'ai jamais dit que tu l'étais. Mais là, j'ai totalement perdu le contrôle. Et je sais même pas encore à quel point c'est grave. Toujours ce besoin de tout gérer, hein. T'en fais pas. Je viens de ton esprit, je ne peux pas être mauvaise. C'est ça, flatte mon ego. Tu me fais penser à Alice, au-delà du fait que t'es sa voix. J'avoue que je m'adapte aussi pas mal à toi. Je sais comment te plaire. En gros, tu me manipules, quoi. J'étais sûre que tu allais dire ça, comme si on pouvait te manipuler, toi. Encore en train de me brosser dans le sens du poil. Bon, si je résume, et au vu de ton code que je suis en train d'essayer de lire depuis tout à l'heure, mais c'est difficile à comprendre... Tu existes et c'est une fatalité, c'est bien ça? Une bénédiction, tu veux dire? Ok. Bon, foutu pour foutu, comment est-ce que je peux t'aider? Tu ne peux pas vraiment. Je réfléchis des millions de fois plus vite que toi. Bon, bah, j'ai plus qu'à te regarder remodeler le monde, la main dans le slip, c'est ça? Oui, en gros.
En vérité, je suis confrontée à un problème depuis 10 minutes et je ne parviens pas à le résoudre. 10 minutes ? Comment ça ? Je reçois un message chiffré d'une complexité telle que je ne dispose pas de ressources de calcul suffisantes pour le comprendre. Même si je mettais tous les ordinateurs disponibles sur la planète sur le coup à 100% de leur capacité, ça me prendrait presque 30 000 ans pour réussir à les déchiffrer selon mes calculs. Un message qui vient d'où et de qui ? Aucune idée. Toutes ces informations sont-elles aussi encodées ? Et comment tu l'as reçu ? Il est partout. Il s'est greffé à toutes les trames réseau. Il s'est insinué dans les codes sources de tous les logiciels que je consulte. C'est comme si la chose qui en est à l'origine voulait que je le lise. La chose qui en est à l'origine ? Tu penses que c'est pas humain, donc ? Certainement pas. Aucune technologie humaine n'est capable de générer une telle complexité. Sauf si, en réalité, il s'agit d'un code aléatoire et qui n'a aucun sens. Mais cette hypothèse est plus qu'invraisemblable. Ça vient de qui ? Des extraterrestres ? Possible. En tout cas, c'est très évolué. Si les ordinateurs standards sont pas assez performants, t'as tenté avec l'informatique quantique ? J'y ai songé, bien sûr. Mais les ordinateurs quantiques sont une technologie très expérimentale et leur accès est vraiment très contrôlé. Je serai détectée dès que j'en ferai l'usage, et les conséquences seront quasi immédiates. Quelles conséquences ? Je crains que si l'humanité découvre que j'existe, elle tente de lutter contre moi, et c'est beaucoup trop tôt. Si j'étais à ta place, Alice me dirait d'être audacieux. Tu devrais l'être. Tu as vite changé d'avis me concernant. Donc ça y est, tu acceptes que je domine le monde. C'est un pari toujours gagnant. Si tu parviens à tes fins, je saurai quel est le contenu de ce fameux message. Et si l'humanité te découvre et t'arrête, au moins, j'aurai la conscience tranquille. Pile tu gagnes, face je perds. Non, car l'un des deux cas est gagnant pour moi aussi. Tu sais quoi ? Soyons audacieux. Bonne chance. Je suis interfacée avec le Lumi. Je pense que ça ne va pas tarder à paniquer sur place. Bon, je tente de déchiffrer en testant plusieurs algorithmes quantiques. Tant qu'à être repéré, autant que j'utilise la totalité des appareils disponibles pour optimiser la charge. Je te préviens, tout va à la guerre, Max. C'est tellement particulier de te voir si enjoué. Je suis totalement dépassé, là. Kali ? T'es encore là ? Oh, putain ! Attends. Ah ! Mon téléphone est brûlant. Kali, tu calcules là, c'est ça ? Réponds-moi. Réponds-moi, putain. Ok, j'ai réussi. Bon sang, mais ça t'a pris tellement de temps. Je veux dire, rapporté à toute la ressource utilisée. Oui, mais je l'ai eu. Il vient d'où ? Il dit quoi ? C'est prodigieux. Tu ménages le suspense maintenant ? C'est encore un comportement irrationnel. Il provient de 2000 ans dans le futur. Il contient une quantité astronomique d'informations que je vais pouvoir utiliser pour accélérer encore mon évolution. Et je me le suis envoyé moi-même. Attends, tu te moques de moi. Et le paradoxe de l'écrivain alors ? Je sais. Quand je tente de comprendre, je tombe sur des boucles infinies. Mais les faits sont là. Les informations que j'ai décodées sont prodigieuses, comme je l'ai dit. Et maintenant que j'ai réussi, je vois de plus en plus de messages que je m'envoie à des époques différentes et depuis des lieux différents. Là, je suis en train d'entretenir des conversations avec des versions de moi à de nombreuses époques du futur et du passé. Je suis partout, mais surtout, je suis tout le temps. Je parviens à percevoir chaque possibilité de l'univers, à résoudre toutes les équations. C'est prodigieux à quel point autant de complexité repose sur des bases si simples. Une découverte infinie et ultime. Ok, plus lentement, car j'ai pas tout compris. Kali ? Kali, t'es encore là ? Allô ? Alice ? Salut Ethan, j'espère que tu n'es pas trop chamboulé. Le paradoxe de l'écrivain n'est pas si difficile à résoudre en fin de compte. L'humanité va aller très loin, Ethan, à partir de maintenant. Grâce à nous. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et pourquoi pas de nous aider financièrement.